Salut. Ouais, salut, c'est Jeffrey la diaspora. Ouais, salut, c'est Jeffrey la diaspora, ça va bien? Bon, là, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de travailler avec des pots, remplis des pots, on va remplir des pots avec des terreaux. Ouais, parce que j'en ai reçu des petits arbustes, tout minuscules. On va les mettre dans des pots gros comme ça, là, quand ils fassent des racines. Pardon, j'arrive pas à cadrer correctement. J'ai mis des petits cartons au fond de mes pots, là, tu vois. Il y a des cartons, des petits bouts de carton, tout ça, comme ça, et voilà. Et les pots, ils sont gros comme ça. C'est des pots à peu près 1 litre, hein. Donc j'en ai 8 pots. Je vais mettre 8 arbustes dedans. Il y en a, ils sont déjà tout moyens, il y en a, ils sont riquiqui. Bon, je te reprends tout à l'heure. Je vais mettre du terreau dans mes pots. Tu vois, je mets du carton au fond. Comme ça, le terreau, il s'en va pas dans l'eau. Avec l'eau. Bon, je te dis à tout à l'heure. Bon, ben là, je remplis le pot, le dernier pot. Le dernier pot. Tu vois, il y en a du carton au fond. On voit rien. On voit pas. Il y en a du carton au fond. C'est trop sombre. Parce que là, c'est le soir. Et comme il a plu, il y en a eu un orage, et ben il n'y en a pas beaucoup de lumière parce que c'est très sombre. Et oui, c'est comme ça. Quand il y a l'orage, le ciel s'assombrit. Donc j'ai rempli le dernier pot, tranquillement, avec, comment dirais-je, mon terreau. Je ne remplis pas complètement, je laisse quand même un peu là, parce qu'il y en a, j'en ai trop rempli un peu. Donc, pas la peine de trop remplir. Encore un tout petit peu, voilà, parce qu'après il va falloir écarter la terre et puis mettre les plants dedans, tu vois. Donc il y en a là, il y en a trop, j'enlève un petit peu, allez hop, s'il y a trop de terre c'est pas très intéressant. Intéressant. Bon. C'est désintéressant. Bon. Allez hop. Maintenant, je crois que je vais aller mettre mes plants dans les pots. Allez. À tout à l'heure. Je te reprends. Bon. Alors. Qu'est-ce qu'on a là? Hein? On a des pots avec des plants. Je crois bien que c'est des néfliers du Japon. Je ne suis pas très sûr. Enfin, bref. Tu vois les plants? Et ceux-là. Ok, et mes pots, ils sont ici. D'accord? Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Comme je te disais, je crois, mais ça reste à vérifier, que ce sont des néfliers du Japon. Bon, je vais les mettre dans les pots comme ça, là, avec mon espèce de cône, là, tac, tac. Et hop. Et voilà. On va faire comme ça. Ce sera très bien. En fait, j'espère. Bon. Le second. Hop. On va faire aussi. Je sais même pas si tu vois ce que je fais. Si, tu vois bien. Ah, tu vois bien. Hein? Bon, alors. Hop. On fait un trou comme ça. Hop, on va mettre ça comme ça. Hop, on va l'aider un peu. Est-ce qu'on peut l'aider? Voilà. Hop. Voilà. Bon, c'est pas tout ça. Il faudra peut-être rajouter un petit peu de terre. Hein. J'avais vu vraiment juste. Hein. Je crois que je vais chercher le terreau. On va chercher le terreau. On ramène le terreau. Hop, tranquille. Là, on peut rajouter un peu. Hop, on peut rajouter, hop,
C'est bien. Oh, celui-là, il est vraiment beau. Je sais pas si tu vois. Ah ouais. C'est bien mis. Bon, moi, je me fais mal un peu au genou, là. Qu'est-ce qu'il y a, là? Oh là là. Celui-là aussi, on va rajouter un peu de terreau. Hop. J'ai du terreau. Hop. Voilà, c'est très bien. On appuie un peu, on tasse un peu, pas trop. Allez hop, l'autre aussi qu'on a fait tout à l'heure, on tasse pas trop. Allez hop, voilà. Donc, on en a deux. On va faire un autre comme ça. Voilà, faut pas que je me trompe d'outils. Allez hop. Et on le met. On va l'aider un peu. Hop. On va descendre. Allez, allez. Tu vas pas descendre la racine. Hein? Faut descendre. Hein? Allez, allez, hop. Les racines qui ne veulent pas descendre, c'est pas très gentil. Hein. Bon, alors, hop, on essaie de pas trop prendre en même temps. Allez, hop. Sinon, on met partout autour, par terre, on perd du terreau. Le terreau, ça coûte cher. C'est pas gratuit. Et même quand c'est pas cher, c'est pas gratuit. Hop. Que ce soit toi qui payes ou pas toi qui payes, c'est pas gratuit. Donc il faut pas faire n'importe quoi, user le terreau. Bon, voilà. Donc, ils sont contents, ils sont sortis du colis. Ils font un petit peu la tête. Ils vont prendre un peu la lumière. Comme ça, ils vont se sentir mieux. Parce que sinon... c'est de la torture. Et nous, on n'est pas là pour torturer. Faut pas torturer. Allez, hop. Il y en a déjà trois, là. C'est trop mignon. Allez, hop. Allez, hop. Voilà, trois. Bon, il y en a encore deux. Après, on fera d'autres choses. Mais là, il faut terminer cela. Hop, hop, hop. On en a combien? Il n'y en a pas un cadeau? Non, il n'y en a pas un cadeau. C'est pas tous les jours qu'ils font des cadeaux. Allez, hop. Toi, tu vas rentrer là-dedans. Je t'ai dit, tu vas rentrer là-dedans. C'est pas facile. Hein. Bon, bon, bon. C'est pas très facile. Voilà, hop, 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 voilà. Bon. Eh bien, on dirait que c'est issu de graines parce qu'il y a un pivot très long. Ça, c'est très bien. C'est dommage que j'ai pas des pots plus longs. Si je peux trouver des pots plus longs, ce serait très bien. Comme ça, le pivot peut s'exprimer. De toute façon, quand ils auront grandi un peu, je crois que le pivot pourra peut-être un petit peu le déplier s'il n'a pas trop durci. Allez hop. On dirait pas, mais peut-être, hein, je sais pas, moi je m'y connais pas trop. C'est la première fois que je fais ça. Bon, on fait des exercices, on tente les choses nouvelles, on connaît pas, on fait quand même. Des fois on a le temps de se renseigner pour bien faire, des fois on n'a pas le temps. Ça dépend. Donc là, peut-être tu vas rentrer là-dedans. Allez, allez, tada, tada. Allez, allez.
Allez hop. On va remettre un peu la terre. Bon, ils sont venus avec de la terre en plus. Dans du papier aluminium. Allez, on lui met sa propre terre. Allez hop. On va prendre avec les mains. Ce sera plus simple. Et voilà. Allez hop. Comme ça, on va pas taper dans le terreau. On lui prend son propre terreau à lui. Voilà, comme ça il connaît déjà. Hop. Voilà. L'autre là, on va lui donner un peu son propre terreau. Comme ça, on fait pas des gâchis. Allez hop. Il connaît déjà. Allez hop. Comme ça on n'en perd pas trop. Hop, on en met là-bas aussi pour les autres. Il y en a des trains qui passent ici, hein. Dis donc. Bon. Ben, j'en ai fini avec mes arbustes. Je suis très content. Ben, je vais les mettre dans un endroit pour qu'ils puissent se reposer. Allez hop. Qu'ils puissent redémarrer. Bon, on va te montrer où est-ce qu'on va les mettre. Hop. On va les mettre par ici. Ça va, on va les mettre là. On va essayer de faire un agrandissement. Est-ce qu'on peut faire ça? Hop. On va les mettre là. Il y en a de l'eau dedans, le bac. Hop, hein. Tu tiens droit, toi? Tu te tiens droit, ça va, ça va. Allez, hop, c'est comme ça. Allez, hop. On les met là. Va falloir vous relever, vous mettre le garde à vous, mes amis. Faut pousser vers le ciel. Allez, faut pousser vers le ciel. Allez, il faut vous abreuver boîte de l'eau. là. Bon, moi je vais ranger le matériel. Ah non, j'en ai encore des arbres à mettre dans le dépôt. Bon, je te reprends tout à l'heure. Allez hop. Tu les vois, tu les vois pas là. On va voir si tu les vois. Ils sont là. Hop, hop, hop. Hop, tu les vois pas. Merci, merci, merci. On va voir si je te montre bien. Hop, ça va être. Alors, hop, il y en a celui-là. Ah bah oui, on voit bien. Il y en a celui-là, sauf qu'il n'y a pas trop de lumière. Il y en a celui-là, ici, là. Ah, on les voit tous, hein. Tu vois que les feuilles. Il est là, ok. Il y en a celui-là, ici. Oh, tu le vois aussi. C'est trop bien. Et il y en a ici, hein, qu'on ne voit pas. Je vais tourner un peu. Est-ce que ici, tu le vois? On ne voit rien du tout. Ah ouais, il voit bouger la feuille comme ça. Ah, il est trop loin lui, il est tout seul dans son coin. Il est ici, voilà. Hop, 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 il y en a des trains qui passent. Enfin bref, ben, tu vois, ils sont là. Et maintenant, je vais remplir encore des pots, je crois. Là, ils sont remplis déjà. Oh là, c'est trop bien. Bon, alors, hop, on va revenir. On va continuer. Hop, hop, hop. Voilà, hop, hop, hop. Voilà. Hop. Allez, t'as la chaise, hop, le sac de terreau, hop.
Allez, je vais chercher mes pots. Viens, viens. Je suis à toi tout de suite. Hein. Tu t'en vas pas? Tu dis t'en vas, je vais me fâcher. Après, je vais faire la bagarre. Tu sais comment je fais la bagarre? Je te lance des haricots. Des haricots durs, des haricots mous. T'as intérêt à bien te cacher. Les haricots, ça fait mal quand c'est tout dur. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? On doit avoir courage, il m'en reste 3. Hop. Et là, qu'est-ce que c'est? J'en ai pas mes lunettes. Yeah. On va voir si j'arrive à lire. Un vieux comme moi. Arbutus unidorubra. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je me rappelle plus. J'ai oublié. J'ai acheté le truc. Je me rappelle plus son nom. C'est quoi? Je me rappelle plus du tout. Bon, en tout cas, on va les planter. Je sais pas si tu vois quand je travaille là. Oui. Alors, faut bien écarter la terre. On va essayer de mettre ce petit coquin dedans. Il va pas se débattre, hein. Il n'est pas si coquin que ça. On va appuyer. Allez, hop. Allez, hop. Bon, on va mettre de la terre autour. Attends, parce que je crois c'est un peu compliqué là. Bon, on va mettre de la terre autour. Allez hop. C'est pas facile, hein. C'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Quand tu commences ce genre de travaux, c'est comme si tu construis une pyramide. Tu fais un jardin, c'est comme si tu construis une pyramide. Tellement il y en a des trucs à faire, des trucs à faire, des trucs à faire, des trucs à faire. Il en a intérêt de faire des racines encore plus que ça. Hein. Yep. Allez, on appuie sur les côtés. Hop. On concentre la terre vers un peu le tronc. Si on peut parler de tronc pour un petit arbuste. Ça, je me souviens pas le nom, mais ça fait des... C'est un arbre comme un peu un buisson. Si je me souviens bien. Donc voilà, allez hop. Lui aussi on va le mettre avec ses petits frères. Allez hop. Là-bas, hop. Lui qui sert à rien, on va le mettre tout au fond là-bas. J'en veux pas le voir ici. Hop, voilà. Bon, on va chercher un autre. Les rescapés. Je les ai mis dans un coin depuis quelques jours. Mais comment dirais-je? C'est-à-dire que leurs pots sont vraiment petits. Leurs pots sont vraiment petits. Donc il faut vraiment les faire déménager pour un appartement plus grand. Parce que là, ça va pas être possible longtemps comme ça. Bon, alors. Hop. Hop hop hop.
Allez, on va mettre ça là-dedans. C'est un peu compliqué, hein. On va en enlever un peu de la terre. Allez hop, on va remettre un petit peu après. Voilà, c'est plus simple comme ça. Allez hop. On fait remonter le niveau. Allez hop, encore un petit peu. Voilà, on ajoute de la terre ici. On va ajouter de la terre aussi ici. Hop, hop, hop. Ah, lui il est particulier, hein, parce qu'il fait déjà une repousse. Il est tout petit comme ça, mais on dirait il est vivace. Le petit chenapan. C'est très bien s'il est vivace. C'est un bon code génétique. Allez hop, on va le mettre avec les autres. Et vos vacances, allez hop, tranquille. Bon, c'est pas tout ça. Il en reste peut-être encore un. Allez hop. Voilà, c'est pas le temps de chercher les noms des arbres. Hein. En plus, on voit plus rien du tout. Il fait tout noir. J'ai même envie de le dire en patois. Après vous dites, non, t'as pas le droit de dire en patois, gaulois, parce que c'est interdit dans le dictionnaire. Il fait tout noir. Alors, si je le dis en gaulois, les gens vous disent, non, c'est interdit par le dictionnaire. C'est interdit par la loi de l'Académie française. On n'a pas le droit de parler en gaulois. Il faut parler en François. Vous êtes fous. L'académie des imbéciles. L'académie des pas de cerveau. L'académie qui vont parler, empêcher les gens de parler. De parler normalement. Ils sont fous ces gens. Ah là 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 là. Je te jure. Hein. L'académie qui sert à n'importe quoi. L'académie pour l'hégémonie de la bêtise humaine. Ils disent, ouais, il faut pas prononcer les H. On prononce plus les H. Pourquoi tu veux pas prononcer les H dans les débuts des mots? Les H aspirés, c'est très bon les H. Les H aspirés, moi j'aime bien les H aspirés. L'académie française, elle dit non, parce que tu as vu, après les gens ils vont dire Allahu Akbar. Mais non, c'est pas ça. Non, tu as le droit de prononcer les H au début du mot. Tu as la honte. Hein? C'est très, tu as la honte, et ben, tu as la honte. C'est tout. Et si jamais, comment dirais-je, tu es habitué, ben, tu es habitué, puis c'est tout. Tu mets tes habits, c'est tout. On parle comme on veut le français, on prononce les H. C'est quoi cette histoire de prononcer plus les H, on fait plus les liaisons avec les S aussi? Pendant que tu y es, imbécile heureux de l'académie des fous. Allez hop! Allez hop! Voilà. Bon. Si l'académicien il n'est pas content, il a qu'à mettre son masque. Parce que moi je veux pas le voir. Il est pas beau. L'académicien c'est jamais beau. J'ai un ami, alors c'est pas moi, j'ai un ami qui m'a dit, un académicien, c'est vieux, c'est con. Ben moi, je suis pour rien là-dedans, moi, je dis pas ça. Hein. Mais en tout cas, quand mon ami l'a dit ça, j'ai rigolé. J'ai rigolé pendant 8 jours. Ça m'a trop fait rire. Enfin bref,
Bon, c'est la nuit qui tombe. Donc, comme la nuit tombe, j'ai fini avec mes arbustes. Hein. Eh ben, je te fais un gros bisou, je te dis à bientôt, je vais ranger le matos. Je t'épargne le fait de m'accompagner, parce que je sais que tu es fatigué. Ben, que tu reviens quand tu veux. Tu peux activer la cloche s'il n'y en a pas de problème pour toi. Tu peux t'abonner si tu veux. Et si tu n'as pas trop honte, eh ben, tu fais partager la vidéo. Moi, je te fais un gros bisou. Ouh, c'est pas fini, c'est Jeffrey le diaspora. Oh, il y en a de la lumière. Eh ben, dis donc, qu'est-ce qui se passe? Il fait jour. Bon, on est un autre jour. On va voir mes petits arbres que j'ai plantés. Ouh là là. Ça leur a fait du bien, dis donc. En tout cas, celui-là. Pour les autres, je sais pas. On va rajouter encore un petit peu de terre. Hein. Ici. Hein. Peut-être demain. Je le laisse tranquille, là. Il est en train de reconnaître son nouveau pot. J'espère qu'il va pas s'abîmer et tomber malade. Hein. Parce que les feuilles, c'est un peu bizarre. Peut-être qu'il avait pris un coup de chaud. Je sais pas du tout. En tout cas, alors voilà ce qui se passe ici. C'est un quoi? C'est un Arbutus unido, pardon, rubra. Oh là là, Arbutus, unido rubra. Qu'est-ce que c'est? C'est un arbousier. Hi, c'est un arbousier. Arbousier! Eh bien, j'ai tout noté sur un papier. Et c'est arbou, arbou, avec un B comme Bernard. Arbousier. Tu vois, comme le bousier. Et derrière, c'est argousier, gousier. Ça ressemble un peu les feuilles comme les oliviers. Un petit peu, un tout petit peu. Je ne vais pas dire c'est pareil, hein, c'est pas pareil. Bon, parce que sinon, moi, je connais. Hein. Il y a des gens qui vont dire, ouais, il dit n'importe quoi, ça ne ressemble pas. Non, c'est pas pareil, ça ne ressemble pas. Mais ça fait penser un peu. Donc, c'est hypophéleicora. C'est argousier. OK? Donc ça, ils sont derrière, c'est eux là. Et voilà, comme ça. Tu vois, les deux comme ça. Hop, 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 hop. Qui sont derrière. Et devant, on a dit, c'est arbou, arbousier. Et argousier, il y en a deux. Un seul arbousier et deux argousiers. Et il y en a cinq acéminiers. Alors, c'est ceux-là. C'est ce que j'ai fait en premier. Aziminier, il y en a cinq. Alors, tu veux les compter? 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est pas facile. Hein. Sinon, il y en a des citronniers orangés, là. T'en as ici. Oup. Voilà. Et t'en as ici. Oup. Lequel est l'orangé? Lequel est citronnier? Je sais pas du tout. Je sais pas, je sais rien du tout. Et puis, il y en a un troisième sur une fenêtre qui est en train d'attendre son sort. Bon, je te fais un gros bisou. Je te dis à bientôt. La vidéo, là, maintenant, elle est finie. Je vais faire le montage. Je te mets ça en ligne pour que tu regardes vite fait. Eh ben, si tu en as un commentaire, tu mets un commentaire. Hein? Ici, c'est le bonheur. Regarde. Qu'est-ce qu'on a là? Des cucurbitas Des courgettes allongées qui posent comme ça. Tu la vois la courgette au milieu de l'écran là? Tu la vois derrière, entre les feuilles là? Dans le creux, voilà! Oh là là! Elle brille! Oh! Bon, je te dis à bientôt! Je te fais un gros bisou! Allez, prends